Welcome back to my channel. Moi c'est Nadine Cuisine 237. Bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, un autre épisode de Nadine Cuisine. Je vais vous apprendre pour ce nouvel épisode à préparer le thé bodiem riz sénégalais. Today guys, I'm gonna learn you why to cook Senegalese rice. If you need to know why ingredients are gonna make together to prepare my Senegalese rice, be connected because you have all the ingredients here, but you need to learn why to do first, why to make first, after first, step by step. Okay guys, si c'est la première fois que tu arrives sur ma page, sois la bienvenue. Moi c'est Nadine Cuisine 237. Je suis là aujourd'hui pour vous apprendre comment préparer du riz sénégalais. Je vais vous apprendre, je vais vous montrer, partager avec moi, avec vous aujourd'hui ma recette très facile, beaucoup riche, le Sénégal. Oui, ça c'est le plat favori du Sénégal qui est un pays de l'Afrique. Cette particularité qu'ils ont de préparer du riz avec beaucoup de légumes. Vous voyez, guys, nous avons beaucoup de végétables là qui vont nous servir à saisonner le riz. Oh my gosh, c'est tellement bon, tellement riche. Et là, sans plus tarder, let's go start. Notre poisson à la manière sénégalaise. Ici, j'ai le poisson fumé sénégalais. Ça, c'est le secret du riz sénégalais. Il faut que ça saveur du poisson fumé de chez eux. Le poisson peut être frais ou fumé. Moi, j'ai pris le fumé parce que j'aime la saveur du smoking. Donc, ça, c'est le secret du riz sénégalais. Vous allez au store, make sure to have the secret smoking au fresh meat sénégalais. Have that, ma fresh tilapia, ma saisonnière. J'ai ici mes assaisonnements. Du bas de blanc, du poireau, des oignons, ail, ginger, persil, que je vais hacher bien sûr pour assaisonner notre poisson. Thank you.
Tu laisserais description des quantités et tout ce que j'utilise en bas de description. J'ai oublié de lancer le piment au début. Normalement, je devais faire frire le poisson fumé avec l'huile pour assaisonner, mais c'est pas grave, je peux toujours lancer dans la tomate. Pendant que la tomate cuise, elle va pas fumer. Le goût de l'huile, c'est très important. Parce que c'est ça qui il y a l'odeur. C'est ça qui parfume le riz sénégalais. Le poisson fumé sénégalais ou le poisson frais. Vous les trouverez dans les stores, African Store, Africa Store. Thank you.
J'ai fait 15 minutes. 15 minutes plus tard, on va contrôler notre riz et voir ce que ça donne. Waouh, parfait. Regardez. Parfait. Regardez. Notre riz est prêt. Et maintenant, nous allons passer au service. Votre riz sénégalais qui est prêt. Thank you.